officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Gojo TV. C'est tout un mariage, Gojo TV. Microphone politique. Qui a dit quoi? Je m'appelle Naman Zakri. Je suis né à Alep il y a longtemps, très longtemps. J'ai fait mes études jusqu'au baccalauréat à Alep. Mon lycée était dans les souks. Alors je traversais les souks merveilleusement bien pour arriver à mon lycée. Bon, on n'est pas obligé de le faire, mais est-ce que vous pouvez me parler un peu de tout ce qui se passe en Syrie là, des histoires politiques qui se passent en Syrie, si vous connaissez bien, parce que... Ça me dépasse, parce que la Syrie était, après Sykes-Picot, il y avait un morceau de la terre, on a appelé ça la Syrie, etc. Mais il y a beaucoup de minorités, il y a tout, il y a des chrétiens, des musulmans, des orthodoxes, des catholiques, protestants, il y a des arméniens, des kurdes. C'est un nid de religion alors? Véritablement, un nid de religion et de race, il y avait tout. Et tout le monde s'entendait bien, personne ne demandait quoi que ce soit. Mais je pense que la proximité d'Israël a fait beaucoup de choses. C'était le « oui, j'arrive », par les guerres qui sont déclenchées en 67, 70, etc., etc. C'est les pays limitrophes d'Israël ont pensé que la meilleure solution, c'était de faire des armées. Et on a commencé à faire des armées. On consacrait presque tout l'argent de chaque pays à faire des armées. Et que ce soit en Égypte, que ce soit en Syrie, que ce soit en Irak, etc., etc. Et ce qui fait que ces armées se sont trouvées les maîtres du jeu dans tous ces pays-là. Et petit à petit, ils ont pris le pouvoir. Et alors, quand une armée prend le pouvoir, excuse-moi, mais ce n'est plus... c'est autre chose. C'est complètement différent parce que... Quand on règne avec la force... On ne peut rien faire parce que après, tout ce qui suit après, soi-disant des élections ou de je sais quoi, ou des... c'est du blablabla. C'est une chose complètement différente. C'est vrai. Bon, on a eu quand même quelques années tranquilles sous Assad, le père, parce qu'il a tout rétabli, l'ordre, le machin, etc., parce qu'il y a eu beaucoup de coups d'État de l'armée en Syrie. Mais il était dépassé, parce que véritablement... les attaques contre le New York a fait déclencher la guerre contre l'Irak et après l'Irak, c'est devenu une chose incroyable parce que j'ai commencé à les Américains s'y installent. Alors pour faire face, il y avait aussi les Iraniens qui s'installent aussi en Irak. Et il y avait la Turquie, il y avait les Israël.
Tout le monde voulait la Syrie. Tout le monde, c'est devenu un champ de bataille. Actuellement, c'est un champ de bataille. Il n'y a pas de, politique. Être ou ne pas être. Tiens, ça, c'est Shakespeare. C'est chacun défend son beefsteak. Maintenant, chaque minorité veut avoir sa part de gâteau. Ben oui, son part de. Au moins, là où ils sont. Et c'est difficile. Je suis sûr que même les chefs d'État sont incapables de dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'ils sont dépassés. C'est un chaos. Complètement. Complètement. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On avait des maisons là-bas qui ont été payées, pillées par les islamistes, après bombardées, un peu explosées. Des choses, parce qu'on allait là-bas en été pour passer un mois, tout ça, c'était... Bon, il n'y a plus rien. Il y en a d'autres maisons qui ont été... qui sont occupées par l'armée syrienne. Et même si maintenant je dois aller à Alep, je dois habiter chez mes frères ou je ne sais pas quoi. Non, mais vous n'avez plus rien là-bas, en fait. C'est ce qui s'est passé à Alep, en Syrie en général. C'est une vraie catastrophe. Une vraie catastrophe. Personne ne peut y remédier. Même si les choses, ils parlent de construire des milliards, etc. Peut-être, mais je ne sais pas. On ne peut pas reconstruire l'ancien. Non. C'est fini, ça. C'est passé. En Syrie, il y a un truc, dans chaque fois dans la Syrie, il y a des monts. Ce n'est pas des montagnes, mais c'est des trucs en hauteur, etc. Et ça, c'est les anciennes villes, parce qu'on peut faire de l'archéologie, on trouve des villes anciennes. Mais c'est comme ça. Mais c'est dommage. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne sait rien. Mais est-ce qu'on peut... Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. La seule chose qui me reste à faire, c'est d'être triste. Ouais, triste. Malheureusement. Oui, mais quand je vois les photos, comment on fêtait, comment on était, etc. Quand on allait là-bas, tout ça, c'est voir la famille. Maintenant, je téléphone à la famille pour savoir s'ils sont encore vivants. Il y avait des bombardements, il y avait des trucs, etc. Mais toujours est-il que... Bon... J'ai rien à dire. Voilà, cher monsieur. La dernière question. Est-ce que je peux dire que c'était tout ça, ce chaos-là, ça a été provoqué par la religion ou bien c'est parce qu'il y a une richesse sous-sol ou bien pourquoi ces gens se battent vraiment? Est-ce que c'est la religion qui veut prendre, chacun veut imposer sa religion? Non, je ne pense pas que ce soit la religion seulement. C'est surtout les minorités et l'expansion de chacun. Vous avez l'Iran, vous avez l'Arabie Saoudite et compagnie. C'est un peu la guerre entre les chiites et les sunnites. Vous avez Israël est toujours prêt à faire la guerre ou ailleurs, ou je ne sais pas quoi. La Turquie aussi, elle s'y mêle. Bon, ça fait trop. Non. Ça fait trop de... Par exemple, on parle maintenant de la guerre en Libye. Mais en Libye, c'est les gens, les Libyens entre eux. Mmh. Ce n'est pas de l'extérieur. Mmh. C'est pas Poutine qui bombarde. Mais Poutine, il vient parce que le président l'a invité à dire... Alors, il s'installe.
Mais je sais pas. Merci beaucoup. D'accord. Merci pour cette bonne causerie instructive. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Et je suis pas très loin. Je suis très loin de vous. Je vais vous embêter beaucoup, en tout cas. Bon, merci. Moi aussi. Merci de m'avoir accordé. J'ai eu l'occasion comme ça de me dégager. Merci beaucoup, messieurs. À bientôt. Et voici nos perles de la rue. Ouais, dis-moi tout, pas encore. Hey, alors, tu t'appelles Dom et tu fais de la magie. Ouais, je m'appelle Dom le magicien. Je fais de la magie depuis un peu plus de 20 ans. Voilà, une façon de faire rêver un petit peu les gens dans ce monde un petit peu gris où on a un petit peu besoin un petit peu de rêve, d'évasion. Donc voilà, c'est un moyen en même temps de gagner un petit peu sa vie et de faire un petit peu ce qu'on aime et puis de faire profiter les autres de sa passion. Voilà. Merci. En tout cas, c'est très bien. Alors, je vais vous en faire un en direct, regardez. Il y en a un qui est vraiment incroyable, c'est le... C'est un petit tour avec des couleurs, vous l'avez vu celui-là, non? Non. Non. Donc, on a deux jetons, on a le blanc et le noir, n'est-ce pas? Le blanc il serait à droite, ici ou là? Là. Ouais, le blanc il est là, donc si je fais ça, le noir il est où maintenant? Le noir il est là. Non, c'est blanc. Il suffit de souffler, ça redevient. Ah d'accord. Parce que je vais vous l'expliquer, parce qu'il y a blanc d'un côté, il y a noir de l'autre. Noir et blanc, oui. Ah d'accord. En fait, je vais les retourner à chaque fois comme ça. Ah ouais, d'accord. Oui, le tour est relativement simple. Ouais, donc, ça c'est. Même moi je peux le faire celui-là. On se souvient qu'il y a donc du blanc et du. Noir. Non, au départ, je vais pas parler de noir, je vais parler de blanc, non, ouais. de vert et de bleu. Ah ouais. D'accord ou pas? Vous ne vous souvenez pas? Et là, on a quoi là? Là, du vert. Et là, du bleu. Du bleu. Donc en dessous, on a du. Du blanc. Je n'ai pas compris. Est-ce qu'il y avait vraiment blanc et noir pour le tout? Je ne sais pas. On fait le foulard pour finir? Ouais. Voilà. Dans la boîte. Yes. C'est beau. On a un petit foulard. Il est comment le foulard? Il est. Il est carré? Enfin, orange d'un côté, calme. D'accord? Vas-y. On fait. Alors, non pas dans la manche parce que là, c'est un peu compliqué. Une fois qu'on a bien fait rentrer le foulard comme ça, on peut se dire il n'existe pas. Est-ce que vous voulez qu'on refasse le foulard? Oh là là. Non, parce que c'est ça qui fait pas. On fait bien rentrer comme ça. Vous voyez toujours pas? Y aller. Bravo. Merci, bravo. Merci beaucoup. Bravo, Dom. Merci. Merci. Madame X. Ouais. Alors, je vous écoute. Bah ouais. Passez-nous, Madame X. Passez-nous, Madame X. On fait du punk rock cru par regardant. Ouais, ça, je sais déjà. Yeah.
je suis Fatima Chbiban Bennassar. Je suis professeure à la retraite et je suis traductrice et poétesse. Tirée du recueil « À l'aube naissante ». Et le poème lui-même est intitulé « En attendant une aube nouvelle ». Alourdie de chagrin et de peine, affaiblie par la soif et la faim, ils ont tourné le dos à leur terre, fuyant l'abus du pouvoir et les guerres. Les corps engourdis, les visages exténués, ils ont marché haletant sur l'asphalte noir, sans bien manger, sans rien boire. À cause de requins profitant de leur désespoir, ils ont marché tant bien que mal sur les pierres et les dunes de sable. Ils ont planté leur espoir sur les ondes d'une mer impitoyable où certains ont creusé le ventre des vagues, laissant corps et âmes démunis. Ils ont fondé leur espoir sur une Europe opulente qui érige des frontières. Bravo. Bonjour les amis, vous êtes sur Gojo TV, moi c'est Fred Unity. Regardons ensemble ce que nous avons concocté pour vous et voici ce que ça donne. Bim. Vous s'appelez comment vous... Ah, notre groupe s'appelle State Face. Ouais. Nous venons de Montagnoli. Ouais. Nous sommes du punk hardcore. Dans nos sociétés d'aujourd'hui, avec toutes les lois qui se créent, faut pas faire ci, faut pas faire ça, faut faire ci, faut faire ça. Alors. Il y a trop de lois. Il y a tellement de lois qu'on n'arrive pas à les appliquer. Il y a des lois qui sont préhistoriques, qui sont toujours en fonction, qu'on ne peut pas appliquer. Et il y a des lois nouvelles qu'on ne peut pas appliquer. Hein. Donc on peut dire qu'on veut pas dire, on peut limiter demain à 30 km/h dans toutes les villes. Ça aura du mal à être appliqué, c'est voilà. Et par exemple, si on veut encore arrêter d'autres choses, bah, ça ne sera jamais appliqué non plus. Est-ce que vous êtes sûr que s'ils ne sont pas le poids de la loi au-dessus de lui, il vous respectera? Ou bien est-ce qu'il respectera vos droits? Je ne suis pas sûr. Non, je ne respectera rien. Je pense que, à la base, l'être humain est capable de le faire. Et qu'il y a des. Peut-être dans des grandes agglomérations, on a peut-être perdu le truc, mais que quand on voit des civilisations comme les Inuits ou des gens qui vivent dans les forêts amazoniennes, minorités qui vivent à quelques centaines de. Oui, mais si eux y arrivent, c'est-à-dire que tout le monde devrait pouvoir y arriver. D'accord, je suis d'accord avec vous.
nous devrions être capables. Mais malheureusement, la réalité. On ne le fait pas. Où est la réalité? On ne le fait pas. Bah parce que la réalité, la réalité, c'est qu'on a envie d'un appartement, on a envie d'une voiture, après on a envie d'une belle chaussure. Voilà, on n'arrête pas. Que dans ces pays, en fin de compte, on a tous pareil, une seule casserole est commune, et quand on trouve quelque chose de plus sympa, on se le partage à tous, et donc du coup, c'est pas la même chose. Ah, mais je vis en Tunisie. Il y a eu la soi-disant révolution. Eh bien, monsieur, maintenant, les policiers ne punissent plus, ne sévissent plus, n'appliquent plus la loi sur la route. Eh bien, personne ne respecte le code de la route. Oui, à part des gens comme moi qui respectent, nous nous retrouvons souvent dans des situations où nous sommes agressés parce que nous respectons le code de la route. Oui, mais ça, c'est la faute du gouvernement. Mais moi, c'est ce que je veux dire. Le gouvernement, il est défaillant. Avant de dire que c'est le gouvernement, c'est déjà chaque être qui devient défaillant. C'est pour ça que. Le gouvernement, lui, il est soi-disant les autres, mais n'empêche que si. Il faut appliquer la loi, il faut qu'il y ait des lois. Dans une des tribus, il faut que le chef il soit élu tous les ans. Tous les ans, il y a un nouveau chef, automatiquement. Comme ça, toute la tribu, elle passera chef. Il doit y avoir un chef naturel aussi. Non, le chef naturel. Dans la tribu, ça ne se passe pas comme ça. Le problème, c'est que tous les chefs arrivent normalement, ils s'en imposent de trop, puis après, ils se voient. Moi, je t'ai dit que dans la tribu, c'est pas comme ça parce que c'est des. D'âge. Oh non, mais c'est pas une histoire d'âge. C'est dans les villages, depuis longtemps. Ça n'a rien à voir. Maintenant, nous, on a une démocratie avec une forme de dictature, et puis ça roule. Oui, mais c'est pour ça que je dis non, mais on ne peut pas comparer les deux. C'est pas possible. Il vaut mieux que ça que la Russie. Ici, il faut les droits. Non, la Russie, au moins, pour la pollution, ils n'étaient pas trop emmerdés, quand même. Parce qu'en Russie, dans le temps, ils avaient tous les mêmes voitures. Non, mais. T'avais soit des cadres, t'avais une belle voiture, soit t'avais ça, ou sinon c'était la toute petite Fiat 126. T'étais content, c'était taxi normalement là-bas. Mais voilà. Ouais, mais c'est bien, c'est l'essentiel de se déplacer, je sais pas. Voilà, donc on peut. Il faudrait en fin de compte. C'est con à dire, mais il faudrait faire un système un peu à la russe. Et un peu à la française. À l'école, quand on était jeune, moi je me rappelle, on nous donnait le même uniforme, il y avait le même uniforme pour tout le monde. Voilà. Il n'y avait pas de gens qui avaient. J'ai vécu comme ça. Les petits gars, on défile, les petits filles. On était à kaki. Non, il y avait toujours le vêtement, c'était le même vêtement. Ouais. Pour tout le monde, il était unique. Oui. On dit que là, les gens, ils arrivent avec des Nike, avec des slapettes, avec des jeans, tout déchiré. Moi, j'arrivais avec des jeans déchirés, je me prenais une dérouillée par mon père. Les gens, ils sont toujours souriants. Mais ça se passe encore dans les pays africains. Les élèves, ils sont en uniforme. Oui, ils rigolent. Enfin, je ne suis pas encore allé dans d'autres pays africains. Je ne connais pas, donc moi, je me bats. Oui, bien sûr. Moi, mais je t'informe. Dans les villages, dans les pays dans lesquels ils font la révolution, ils sont souriants, ils sont toujours accueillants, ils sont moins que nous. On a vécu à peu près la même chose. On a vu le même tablier, le même... One voice. Yokoso, Gogyo TV. Comment il s'appelle le groupe? Dis-moi le nom du groupe. Le groupe s'appelle Chloroform Kardjaki. D'accord. Et vous avez déjà un disque? Non, on va sortir un EP bientôt. Okay. Le premier EP. D'ici, je pense, en février. D'accord. Vous êtes de Paris? Ouais, on est de Paris. Ouais. Paris-Est. Paris-Est. Ok. We'll be right back.
passe pas sur des télés, moi. Non, mais... Enquête parallèle. Aujourd'hui, je suis avec Christiane. On découvre. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Christiane. Je suis française. Je vis aux Pays-Bas. Je suis née dans l'est de la France d'une famille ouvrière. Mon père a réussi sa carrière dans la sidérurgie. Ma mère était femme au foyer. Je viens d'une famille nombreuse, 7 enfants. Ensuite, à l'âge de 20 ans, je suis arrivée à Paris et j'ai commencé ma vie de femme libérée, on dirait, pour dire. Et donc, j'ai commencé et j'ai étudié à partir de l'âge de 30 ans. Donc, je suis arrivée à Paris à l'âge de 20 ans et pendant 10 ans, j'ai été directement dans le monde du travail. Dans les années 80, donc je suis partie à l'université, j'ai fait une licence de sociologie. D'accord. Et je me suis mariée avec un Brésilien et j'ai eu 2 filles. Je vis maintenant au Brésil et j'ai 3 petits enfants. D'accord. Et voilà, c'est un peu le résumé des 30 premières années de ma vie. Ah ouais. Est-ce que c'est être née en campagne qui fait de toi une femme de gauche? Non, je ne pense pas. Je pense que c'est devenir une famille ouvrière où les garçons avaient tous les droits et les filles devaient remplacer la mère quand la mère était malade. Étant donné que je suis d'une famille nombreuse, quand la maman ne pouvait plus, c'est la fille aînée, quand j'étais la fille aînée, qui devait prendre en charge les petits frères et les petites sœurs. Et les petits frères et les grands frères ne faisaient rien. Donc c'est comme ça que je suis devenue plutôt une rebelle. Ouais. Une femme de gauche, parce qu'une femme de gauche, ça veut dire quoi la gauche maintenant, je ne sais pas. Ouais. Et je suis devenue une rebelle. Mais qu'est-ce que tu attends par le mot rebelle? Le mot rebelle, c'est lutter pour... pour moi, hein, le mot rebelle, ça veut dire que je lutte pour être une femme. Ah ouais. Pour exister en tant que femme. Wow. Dans une société d'hommes. Ah ouais. Ça, c'est anti-système, alors? Non, on ne peut pas dire que je suis anti-système, parce que je participe au système. Je ne suis pas quelqu'un qui va aller manifester, acheter des pavés. Je pense qu'une police est nécessaire, mais on doit parler avant d'arriver à s'affronter. Il y a toujours la discussion qui est possible. Et femme, une vraie rebelle, je me considère comme rebelle quand je vois certaines femmes autour de moi. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire, rebelle? Moi, je suis je vis dans des pays qui ont... Je suis bien contente d'être française, d'être née en France et d'être pas née dans un continent où les femmes sont violées, muselées, etc. Je suis contente d'être du bon côté de la barrière. Comme ça, je peux exister. Je suis pas sûre que si j'étais née ailleurs, que je puisse exister. Non. Être belle, c'est facile d'être belle en Occident, tu vois. C'est des pays dans lesquels être belle, t'es mort. Vaut mieux être belle en Europe que rebelle. Ça, c'est vrai. En Arabie Saoudite. Alors, mais pour défendre tout ça, tu luttes comment? Tu as lutté déjà dans des mouvements? Voilà. Alors, j'ai des problèmes avec tout ce qui est mouvement. Hein. En principe, je lutte à mon niveau déjà, en premier, au sein de... avec mes amis, avec ma famille. Pour moi, l'égalité, c'est vraiment primordial. Je ne supporte pas l'injustice. C'est une chose que je ne supporte pas, c'est l'injustice. Et donc, pour moi, un homme qui travaille ou une femme qui travaille, qui fait le même travail, on doit avoir les mêmes salaires. Déjà, c'est la base de tout. Tu vois. Et par rapport à une relation de familiale, si une femme fait quelque chose, l'homme doit faire aussi. On doit partager la vie. Les hommes et les femmes sont faits pour vivre ensemble. Quand on fait une famille, on doit partager. On doit partager les tâches, les tâches pour les enfants, les tâches ménagères. C'est la moindre des choses. Et dans la vie, au travail, c'est la même chose. Voilà. Au travail, on doit partager, on doit communiquer. C'est très important, la communication entre les êtres humains, pour pouvoir être en harmonie. L'harmonie, c'est le grand mot quand même. Vivre en harmonie,
et se sentir bien sur voilà, on peut vivre en harmonie sans partager tout ce que tu dis. À mon avis, le partage est important pour être en harmonie, pour moi. Oui. Parce que moi, ne supportant pas l'inégalité et l'injustice, si les autres ne sont pas en harmonie, je ne pourrais pas vivre avec quelqu'un qui me traiterait en esclave. Je ne suis pas l'esclave d'un homme, je suis son égal. Je suis l'égal de l'homme. Et puis, c'est la même chose pour la couleur de la peau. Qu'un homme soit blanc, noir, jaune ou de notre couleur, pour moi, un être humain, c'est un être humain. Qu'il soit blanc, qu'il soit noir, qu'il soit jaune, et qu'il soit une femme, qu'il soit homosexuel aussi, parce que ça s'inclut. On est des êtres humains, on est fait pour vivre ensemble, autant ça, comme discuter et pouvoir vivre ensemble, c'est pas la peine de se faire la guerre. C'est moi, ma vue de l'harmonie. L'harmonie, c'est pas... Alors, je ne suis pas du tout spirituelle, moi, j'ai les pieds sur terre, je vis sur terre et je me bats sur terre. Mon Dieu... Ni Dieu ni maître, comme disait... comment il s'appelait c'est Proudhon qui a dit Dieu ne met des anarchistes. Je ne suis pas une anarchiste non plus. Je ne sais pas ce que je suis. Je suis moi. J'essaie de me battre pour être. Ne pas me faire exploiter et puis être bien. Quoi. À partir du moment où il y a quelqu'un qui va essayer de me faire faire quelque chose dont je n'ai pas envie, je vais être frustrée. Je vais être malheur. Donc, il faut éviter de faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Des fois, tu es obligé. Dans le monde du travail, par exemple, des fois, tu es obligé de faire des tâches que tu n'as pas envie de faire. Ouais. Bon. Ben, c'est le travail. Hein. C'est... Quand on travaille dans un bureau, on a des tâches à faire, on les fait, non? Oui. Alors, le travail, c'est ça. À mon avis, dans notre société, tu as des droits et des devoirs. Ouais. C'est des deux côtés. Tu travailles, tu as un travail à faire, mais ton patron, il doit aussi te respecter. Et souvent, ce qui se passe avec le système hiérarchique, tu as des petits chefs. Des petits chefs sages. C'est la pire des choses. La pire des gens qui font le travail des autres, qui sont valorisés parce qu'ils font le travail des autres. Ouais. Et quand tu travailles, tu fais ton travail, tu dis que tu as un salaire, tu es là pour travailler, mais le patron, il doit te respecter. Il n'a pas de faire travailler sans te payer, par exemple. Ouais. Quand tu travailles, tout travail mérite un salaire. Ça, c'est clair. Mais ce n'est pas toujours comme ça. Hein. Ouais. Je veux en venir oui. aux organisations syndicales. C'est pour ça qu'il y a des organisations syndicales. Parce qu'on travaille, quand t'es brimé ou quand tu entends les histoires qui se passent dans les supermarchés, comme tu as vu comme Lidl, toutes ces histoires-là, comment les gens peuvent accepter de travailler dans des conditions pareilles, tu vois, tu dois travailler, si tu travailles sur un ordinateur, tu travailles dans l'informatique, tu as besoin d'un ordinateur. Bien sûr. Et quand tu travailles, tu fais de l'administratif, tu as besoin du papier et du crayon. Si tu n'as pas de papier et de crayon, tu ne peux pas travailler. Des fois, tu n'as pas de papier et de crayon, tu vois, et puis c'est ta faute. Et donc, les organisations syndicales sont là pour défendre tes droits. Tu as des droits. Tu travailles, tu as droit à un salaire, tu as droit à tes congés payés. Tu as le droit à d'avoir des conditions décentes pour travailler, une table, un crayon. Et si ce n'est pas respecté, tu vas te plaindre à des syndicats. Et les syndicats sont là pour représenter les salariés. Et puis donc, tu peux de toi-même aller voir ton chef de service et commencer à te plaindre. Mais en principe, ils n'aiment pas trop, ils te changent de service. Oui, tu lourdes. Ouais, on va dire que ça, c'est... Ça, c'est le petit niveau de la société. Maintenant, on est dans la mondialisation. Qu'est-ce que... Oui, alors la mondialisation, comparé à tout ça, qu'est-ce que ça donne? La mondialisation, c'est un grand mot. Hein. On est dans une société capitaliste libérale. D'accord. Qui a commencé, une société de consommation qui a commencé dans les années 70. On a fait une révolution, soi-disant, en 70, en 68, 70. On a gagné beaucoup dans les libertés individuelles, surtout les femmes. On a le droit à la contraception, à l'avortement, et on a commencé à avoir des vrais droits en tant que femme. On a commencé à exister. Avant, les femmes, elles n'existaient pas en France, du moins. Il y a eu une époque où tu te mariais, on te disait tu dois la fidélité à ton mari et tu dois obéir à ton mari. Non, mais sincèrement, tu dois obéir à quelqu'un, tu n'es pas un chien. Lui aussi doit t'obéir dans ce cas-là, il fallait que ça soit pour les deux. Et souvent, même à la mairie, hein, tu étais à la mairie, ils avaient un discours que tu étais la propriété de l'homme. Et donc, dans les années 70, ça commençait à évoluer.
Et ça a continué, ça a continué. Il y a eu des mouvements féministes dans lesquels on peut parler beaucoup des mouvements féministes parce qu'ils excluaient. Moi, j'ai participé à des manifestations du MLF et on est sorti de la manifestation avec ma copine. Je suis sortie de la manifestation avec ma copine parce que. Ils ne voulaient pas qu'on avait des copains qui arrivaient, qui voulaient se joindre à nous pour la manifestation, mais ils les ont exclus. Alors donc, on est parti, on dit, qu'est-ce que c'est que c'est le mouvement de nul, le MLF, mais ça, c'était dans les années 75. Ouais. Mais bon, maintenant, quand tu dis que tu es féministe, tu es presque un dragon. Hein. Tu dis, je suis féministe, c'est seulement demander les choses auxquelles tu as droit d'exister. L'égalité, c'est quand même important. Au travail, c'est la même chose, parce qu'on est dans des sociétés patriarcales. Alors, donc, les hommes, de toute façon, tu vois bien encore des histoires avec les mecs qui tapent sur les fesses. Moi, un jour, il y a un mec qui m'a tapé sur les fesses, bah, il a pris une paire de claques, tu vois, parce que moi, je considère que t'as... Moi, je crois que c'est un manque d'éducation. Il y a un manque de respect. Cette société qu'on a voulu changer, bon, on a acquis beaucoup de liberté dans cette société, mais en même temps, on a je ne sais pas si on a vraiment gagné dans ces 40 années. Hein. Parce que maintenant, j'ai 65 ans, je peux te dire que je l'ai vu passer la société, toute cette révolution. On est revenu en arrière sur beaucoup de choses. Tu vois, les mouvements syndicaux, ils n'existent pratiquement plus. Les droits des femmes, ils sont toujours bafoués. L'égalité entre les salaires, il n'existe toujours pas. Et le grand problème, c'est la finance, c'est l'argent. C'est l'argent qui est devenu le dieu de la société. Est-ce qu'on peut pas dire que ça a toujours été dieu de la société, l'argent? Oui, mais ça a pris de la proportion et de la consommation. Dans les années 70, tu consommais beaucoup moins. Puis l'informatique, Internet. Et on est dans une société de consommation. On n'a jamais vu ça. Regarde l'état de la planète. Ça va exploser, cette planète, si on continue. Quand on est de plus en plus nombreux, on consomme tous de plus en plus. Bon, il y a le bon côté des choses, mais il faut aussi respecter. On ne respecte pas les êtres humains, on ne respecte plus les animaux, on ne respecte plus la planète, on ne respecte plus rien. On va où comme ça? Et donc, la finance. Cette pieuvre qui est au-dessus de tout le monde, qui est en train de gouverner la planète. Parce que qui est-ce qui gouverne la planète? C'est la finance. La finance, c'est l'argent, quand même. Tu prends la France, tu prends le Brésil, tu prends l'Afrique, tu prends l'Asie. C'est partout, cet argent. C'est une corruption mondialisée. Il y a tellement d'argent. Ces fonds d'investissement qui ont tellement et tellement d'argent. Et ben voilà, on enlève l'impôt sur les grandes fortunes. On donne plus de. Les gens qui ont des dividendes, ils payent plus d'impôts dessus, mais c'est pas seulement en France, c'est dans toute l'Europe, et c'est surtout aux États-Unis. Bon, dans les pays du tiers-monde, qu'on appelait les pays du tiers-monde, donc les pays émergents maintenant, c'est aussi la pagaille partout. C'est la pagaille partout. De toute façon, on voit que deux fractures, la fracture, c'est riche et pauvre, de toute façon. Oui, la fracture entre. Non, mais. Le grand problème, c'est qu'on est dans une société avec un seul modèle, le modèle capitaliste. Pendant un moment, il y a eu un modèle socialiste avec la Russie, qui sont devenues des dictatures, à mon avis, de gauche, parce que c'est des dictatures qu'ils avaient mis en place. Il n'y a jamais eu vraiment un vrai modèle socialiste mis en place. Et le capitalisme a tout bouffé. On est dans une société capitaliste au maximum. Et Le libre-échange, quoi. ça va mal se terminer, à mon avis, je ne sais pas comment. Ouais, mais mal se terminer pour qui, c'est ça? Pour les pauvres. Les riches, ils vont aller sur la Lune, sur Mars. ils ont l'argent pour se payer des avions. Ils vont aller sur des îles où ils mettront des murs pour pas qu'on entre sur leur territoire. Ça se terminera mal pour les pauvres, mais bon. Ça se termine toujours mal pour les pauvres. C'est toujours les pauvres qui payent les crises. Ouais. Bon, tu entends, ils coupent des têtes. Ils en ont oublié en France. C'est dommage. Hein. La faille. Bonjour. Moi, je m'aime. Ma nation. Mon. Je contrôle la vie.
Bienvenue à la transmission du journal officiel des trois pompes.web. La couleur. Ne jamais s'éloigner de la réalité. Avoir le droit de philosopher sur la vie ne change en rien l'essentiel qui est la vie. La seule nation qui existe, c'est la vie. Et personne ne la contrôle, la vie. Tout le monde y arrive et tout le monde la quitte un jour. Parce qu'elle était, elle est et elle sera toujours. Il faut juste la vivre, car elle n'appartient à personne. Et le seul lien que l'on a en commun, c'est bien la vie. Oui, elle n'appartient à personne. Nous y sommes venus pour vivre et pour la quitter après. Merci. À bientôt pour une autre idée. Au revoir. On est là, mais on est là, on est toujours là, on est toujours là. Et maintenant, derrière cette porte, la majorité invisible. Bonjour, c'est Loana pour notre mini-festival reggae. La façon dont j'ai été éduquée, nous étions une famille nombreuse, il y avait un seul salaire, on avait toujours à manger dans notre assiette, mais j'ai toujours voulu, moi, depuis petite, m'occuper des autres, enfin, dans la mesure de mes moyens et tout. Bien sûr. Et puis, je t'ai dit, en 2011, je suis arrivée dans cet hôpital, à Maritime, dans le Pas-de-Calais. Et là, j'ai vu ce qu'était vraiment la misère, les gens en détresse, les gens mal dans leur peau. Moi, j'ai dû perdre, pour parler un peu de mon cas, perdre 30 kilos, et je pense me faire opérer pour marcher normalement et retrouver une vie. Pas idéale, mais une vie que j'apprécie. Bien sûr. Lorsqu'on t'arrive à l'hôpital et qu'on te dit « Madame, vous avez 60% de chance de rester sur la table d'opération. » Ça met un coup. Ça te met un coup et qui te dit que je m'en suis sortie. Les gens qui étaient mon entourage, comme Samba, Ousmane, tous les gens que j'aimais et qu'ils m'aimaient, le jour où je me suis fait opérer, et je le sais parce qu'ils ont tous prié pour moi. Et je suis persuadée qu'il y a quelque chose qui s'est passé parce que je m'en suis sortie. Voilà. Ouais. C'est donc si tu veux, je me perds. C'est pour ça que je ne juge pas les gens. D'abord, je n'ai pas le droit de le faire. Ouais. Qui je suis pour juger. Si je peux aider, je le fais. Maintenant, tu ne faut absolument pas que tu me trahisses. Parce que ça, c'est rédhibitoire. Il n'y a pas une seconde chance. Bien sûr. Donc moi je ne suis pas si gentille que ça. C'est normal, d'un côté tu es gentil mais voilà. Tu te protèges aussi. Donc voilà. Et comme je te l'ai dit, ma passion c'est la musique et ça m'aide. La musique m'aide. D'abord elle est universelle, et j'écoute tous les continents. Tu vois, du reggae j'en écoute depuis 45 ans. D'accord, parce que je vais bientôt avoir 66 ans, donc j'écoute du reggae. J'ai connu le début, Bob Marley, les Wailers, quand c'était encore au stade embryonnaire. Dis-moi, tu t'appelles comment?
Moi, c'est Swina. 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 Tu écris ça comment? S-W-2-I-N-A-H. Wow. Voilà. Merci, Swina. Merci à toi. Merci d'être venu. Oh,
Mais pourquoi c'est contre Babylone? Parce que son système, il te fait payer tout. Et ouais, c'est voilà. Tout. C'est l'argent. Non, la musique, c'est pas gratuit. La musique, il y a des artistes qui travaillent, il y a des compositeurs, il y a des instrumentistes. Non, c'est sérieux. Si vous voulez l'album là, Pays des Merveilles, Yes Shine, il est disponible là maintenant. Yes I. Vous venez nous check là, si vous voulez l'album, live and direct. Yes I. Donc, Péliche un petit peu, est-ce que vous êtes encore là? C'est pas fini. Oh,
Je ne renoncerai jamais, c'est clair, à l'Afrique et tout son savoir. Je ne veux plus de ton salut, il a fait couler trop de sang. Ce que je veux, c'est être celui que j'étais avant. Appelle-moi l'affranchi, celui qui a cessé de croire en la discours. Les gens te comptent de fuir, appelle-moi l'affranchi. Oh non, non, nous étions tous de dignes héritiers. Oh non, des valeurs de noblesse et déchus. Oh non, tout le monde, rappelle-moi la celui qui a cessé de croire en leur discours. Les gens décomptent le fait. Depuis longtemps
t'entends que t'es dans le reggae, mais... Yes, on t'entend. Qu'est-ce que ça représente pour toi, le reggae? Et puis tu ne lâches pas, tout le monde lâche et toi, tu es toujours dedans. Man, je peux pas lâcher. Pourquoi est-ce que tu veux qu'on lâche? Le reggae music, il n'est pas là juste pour draguer les meufs. On n'est pas là pour... C'est pas la mode. Yeah. Moi, de toute façon, j'ai rien à lâcher. Ouais. Je ne suis pas la mode. Yes. Je ne prends pas les rythmes des gens. Yeah. Je ne prends pas les mélodies des frères. Ouais. Donc je fais ma petite pierre. C'est un vrai combat que tu mènes. Voilà, je mets à ma vitesse à moi, avec les moyens que j'ai. Ouais. Et tout le travail que je le fais pas tout seul, c'est avec les frères. Ouais. Et aussi, moi je cherche, je fais pas compétition avec personne. Ouais. Moi l'essentiel, que je dis, je vais pas dire moi, c'est de mettre ma pierre à l'édifice et que la bibliothèque du reggae reste grande, avec sa grande sa diversité. Mais quand on t'écoute tes chansons, c'est très engagé quand même, tu vas me dire c'est le reggae. Mais bon. Du reggae. Viens en avance mon frère, parce que c'est les lives. Viens en avance. Et en plus tu me fais rap comme ça sans me souvenir. Non mais c'est ça, c'est ça. Respect à tous les frères. Yeah.
Si la si Africa, c'est pour... Alors, mais Kenny. Non, on n'a pas de projet en ce moment, on n'a rien. Ouais. Donc depuis, vous avez arrêté Fire Dub ou quoi? Pour l'instant, c'est à l'arrêt. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il faut trouver une boîte de production. Hein. Ah, d'accord. Tu vois, le problème, c'est la prod toujours. Toi, tu ouais. Ok, donc en attendant... Les musiciens sont là, la musique est là, mais c'est la prod. Ok. Il faut des sous. Ouais, ça c'est vrai. Donc en attendant, bon, mais voilà, tu fais toujours ton boulot, quoi. Ouais, quand même. Ok. Mais bon, c'est pas facile en ce moment. Ok. Kenny Fire Dub. Thank you.
Bientôt sur Radio TV.